chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Tio Essongue Sacristian, a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général du FARDC les représentants spéciaux adjoints de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Le lieutenant général Tchouo et son hôte ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Tshibangu Léon Richard, du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général-major Benoît Chavana et d'autres officiers des FARDC de la MONUSCO. Au sortir de leurs échanges, le numéro 2 de la MONUSCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Tchouo pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Tshiwewe, c'était tout d'abord, au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même, j'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises. Et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure, où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Tchouo Essongue Sacristian, a ce vendredi 21 octobre 2022 effectué une visite de travail à la base logistique centrale des forces armées de la République démocratique du Congo, située au camp lieutenant-colonel Kokolo. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a présidé une réunion à huis clos avec tous les officiers généraux et supérieurs du corps logistique. Après la réunion, le lieutenant général Tchouo a visité les salles des cours récemment réhabilité et les centres de santé en construction. Signalons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accompagné dans sa visite de son adjoint chargé de l'administration logistique, le général-major Kasonga Tshibangu Léon Richard, et du sous-chef d'état-major en charge des renseignements, le général-major Daïwel Okoua Christian. Par ailleurs, il s'est signalé que cette visite est la première que le général Tshiwewe a effectuée dans les grandes structures de notre armée depuis sa prise de fonction. Ainsi prend fin la séance de votre visite de travail. Élevé et nommé commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo, Madame le général Cheshimayou Justine a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce mardi 25 octobre 2022. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général-major Assoumani Issa Marcellin. Après la signature du procès-verbal des remises et reprises, les commandants sortants du corps logistique a, au cours de cette cérémonie, remis l'étendard symbole des commandements à son successeur. Son est suivi juste après d'une visite guidée des installations du corps logistique à l'égard du nouveau commandant et la présentation des nouveaux collaborateurs de Madame le général-major Cheshi par le général-major Assoumani. Profitant de l'occasion, les nouveaux commandants du corps logistique a félicité son prédécesseur pour le travail abattu sous son commandement et a appelé ses nouveaux collaborateurs à travailler dans la discipline et de les soutenir pour la bonne marche de ces corps destinés au soutien logistique des unités des FARDC. Encore une fois, merci, mon général, mais vous êtes partout, vous n'êtes pas partout. Parce qu'en cas de besoin, on va répondre. Vous êtes une personne ressource. À tout le personnel, je vous exhorte à vraiment travailler. Pas travailler en ordre dispersé, mais en ordre. Ce serait le coup de... Le reste, je suis là, le général est là, le général est là, le général. Et puis, les chefs de département sont là aussi. La cérémonie s'est clôturée par la signature du livre d'or. Général
Major Singa, je vous remets cet étendard, symbole de commandement. Les sous-chefs d'état-major en charge de l'administration, le général-major Kiseizo Thomas, a au nom du chef d'état-major général présidé une cérémonie de passation des commandements à l'état-major corps de santé militaire entre le général-major Tsinga Bongenia Jean-Claude, commandant entrant, et la général-major Ngomo Weninda Monique, commandant sortant. C'est mardi 25 octobre 2022. La salle de réunion de l'état-major a servi de cadre à cette cérémonie. Pour sa part, le général-major Kiseizo Thomas a consigné dans le livre d'or félicitant tous les officiers généraux qui ont été renouvellement promis et ont reçu de nouvelles responsabilités. Il a ensuite passé les fagnons de commandement au nouveau commandant du corps de santé militaire. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement du corps de service de santé militaire, au nom du chef d'état-major général. L'étendard que vous défendrez avec loyauté, dévouement, jusqu'au sacrifice suprême. Allons-y, mon général. La remise et reprise a eu lieu entre les commandants sortants, le lieutenant général Banzé Lubundji Dieudonné, et les commandants entrants, le lieutenant général Wabasi Aroyumbu Obed. C'était au centre supérieur militaire, siège du commandement général des écoles militaires, en présence de plusieurs membres de son état-major et les conseillers français en matière d'instruction. Dans son monde de circonstances, le lieutenant général Obed de Wabasira a d'abord remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour la confiance mise en sa personne. Il a ensuite exhorté ses frères d'armes à la discipline militaire au lieu du travail. Le nouveau commandant général des écoles militaires a enfin remercié son prédécesseur pour le travail abattu dans cette structure des forces armées de la République démocratique du Congo et lui a promis de parachever les projets inachevés. Je voudrais de prime abord remercier le commandant suprême qui nous a fait confiance et qui nous a nommé comme commandant général des écoles. Pour la simple raison que j'ai une joie intense de faire la remise et reprise avec le sortant pour avoir été mon chef de 2014 jusqu'en 2018. Pendant 4 ans, mon général, la joie grande pour moi de faire la remise et reprise avec vous et à travailler avec vous comme mon aîné. Maintenant, comme cadet, vous me laissez le commandement. Au Dieu Tout-Puissant qui a fait qu'effectivement, pendant 4 ans, j'étais avec lui et aujourd'hui, je fais la remise et reprise avec lui. Aux responsables et aux officiers ici présents, nous avons à notre charge de faire un travail dans la discipline, rien que la discipline. Dit-on, la discipline et la mère des armées. Et donc, mon cheval de bataille est de rendre efficace la discipline dans les formations différentes à tous les niveaux pour que en 2030, notre armée soit compétitive. Première mission primordiale. La deuxième mission primordiale, de tout faire pour que ce que mon prédécesseur a fait, que je puisse garder et capitaliser. Et avec vous, faire un plus, mon général. Ce que vous n'avez pas pu réaliser, faute de temps, je vous promets que je le ferai avec mes collaborateurs que vous êtes. Donc je ne viens pas avec de la magie, non. Je viens continuer l'œuvre que mon prédécesseur a laissée et donc améliorer dans le cadre de la formation de nos forces armées. Un message aux conseillers militaires et à tous les conseillers militaires des partenaires. Dans sa réponse, le général retraité Banzé Lubundji Dieudonné a, dans son mot d'adieu, exprimé son sentiment de joie d'aller au repos sain et sauf. Il a, par la même occasion, prodigué quelques conseils à quiconque voudrait finir bonnement sa carrière militaire. Le sentiment que j'ai actuellement, c'est un sentiment de décharge. Je lui passe le flambeau, je suis dégagé. Un sentiment de dégagement et la paix dans l'âme. Et je pars en paix. Le premier secret, c'est d'aimer Dieu et d'être à l'écoute de Dieu. Puisque Dieu parle. Alors, si vous êtes guidé
par l'Esprit de Dieu. En tout cas, c'est le premier grand secret, c'est celui-là. Le deuxième grand secret, c'est toujours relatif à la parole de Dieu. C'est bien même le prochain comme vous-même. Les hommes que vous commandez, ce ne sont pas vos moutons ou vos bêtes, ce sont vos collaborateurs. Ce sont les aînés et être à leur écoute et agir aussi parfois en leur faveur. C'est ça le secret. Donc il faut se donner au travail, il faut suivre son travail, il faut aimer les gens qui travaillent avec vous et il faut être en écoute du chef, le respect de la voix et ainsi. Mon successeur, c'est un ancien collaborateur à moi. Il est toujours été, quand j'étais chef d'état-major et commandant de la force terrestre, il a travaillé à mes côtés comme adjoint. Et donc, je ne peux que l'encourager et l'aider dans la vie du possible. Donc je lui ai donné beaucoup de conseils à priver et je crois que c'est à lui de cet adversaire, c'est pas le seul, de le crier sur le toit. La cérémonie de remise et reprise entre le général-major Mabia Lambouda, Zonza Corneille, commandant sortant de l'école supérieure d'administration militaire, et le général de brigade Elumba Mongali Kumbo-Guilin, commandant entrant de cette école, a eu lieu ce jeudi 20 octobre 2022 au siège de cet établissement d'enseignement militaire de haut rang situé dans l'enceinte du Tchèzd, implanté dans la commune de la Gombe. Dans son mot d'adieu, le général-major Mabiala a félicité le repromis en grade du général et son successeur. Pour commencer, je présente mes félicitations à le repromis et au nouveau commandant qui est désigné, qui me fait grandement plaisir. Avant de vous quitter, je préfère remercier tous les cadres de l'État qui m'ont accompagné pendant 4 ans. Si nous avons connu du succès dans ce travail, c'est grâce, bien sûr, à vous tous. Alors, vous aussi, je vous présente les nouveaux commandants. Je crois que vous serez encore disciplinés comme vous l'avez avec moi. Et vous allez l'accompagner dans cette tâche qui n'est pas si facile. Il a demandé au cadre de prêter main forte aux nouveaux commandants dans la discipline pour le rayonnement de les âmes. Dans sa réponse, le général Elumba s'est dit honoré de sa nouvelle nomination. Il a en effet félicité son prédécesseur pour avoir dirigé avec brio cette école pendant 4 ans. Un défi à relever, c'est de maintenir le niveau de l'école. Et si possible, d'améliorer ce qu'on pourra améliorer. Donc, c'est une fierté pour moi de remplacer, de connaissant comme étant un officier. Le général Mabiala a saisi l'opportunité pour présenter le général Elumba aux stagiaires de la 6e promotion de cette école. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du nouveau chef des départements des affaires académiques, le général français Patrick Perret, et des cadres de cette institution d'enseignement militaire. De brigade Batabombi Apanza Jean Daniel, commandant second en charge des opérations et renseignements du service de communication et information des forces armées, a tenu une causerie morale ce lundi 24 octobre 2022 à l'état-major Sifa, situé au camp lieutenant-colonel Kokolo. Au cours de cette parade, le général Batabombi a développé 3 points, à savoir la situation sécuritaire, la discipline et les sociales du personnel civil et militaire. Le commandant Sifa a insisté sur la discipline comme fondement de l'armée. Il a été demandé aux civils et militaires de se conformer aux règles du métier en respectant les heures de service, la tenue vestimentaire et les secrets professionnels. Il a également insisté sur la lutte contre les antivaleurs, notamment les tribalismes, les colportages, les divisionnismes, etc. Le tribalisme n'aura pas la place ici, le clientélisme non plus. Je serai vigilant. Il n'y aura pas de clientélisme. Bati Valère Nyos. Et qu'on joue à place à Wate. A Tolingi Ambia Sezala Kitok. Enfin, le général de brigade Batabombi a expliqué l'engagement et la détermination du chef de l'État à l'égard des forces armées concernant l'amélioration du social des militaires d'une manière progressive. Chacun se contente de ce qu'il reçoit en attendant la concrétisation de toutes ses promesses, a-t-il martelé. Président de la République, chef de l'État, commandant suprême. Il est en train de se battre pour qu'il a amélioré les conditions de vie et de travail. Il y a défense nationale. Le paix qu'il nous donne, nous devons
nous contenter de ça, avec espoir que la situation va s'améliorer de manière progressive. On comprend d'abord les sentiments qu'animent les médecins. C'est d'abord la colère et la perte du docteur Sylvie, une dame vraiment courageuse et qui a donné sa vie au Seigneur et puis à la communauté. Mais pour être clair, il faut dire que aucune loi du pays n'autorise que la population détienne les armes. Si vous consultez la Constitution et autres lois, il n'y a que l'armée, la police et certains services spécialisés du renseignement militaire ou civil peuvent détenir, n'est-ce pas, des armes. Et aussi, on ajoute sur cette liste quelques ambassadeurs, mais selon l'autorisation du commandant suprême. Donc, on ne peut pas armer le médecin des armes de guerre. Pourquoi ? Parce que d'abord, les médecins n'ont pas suivi des formations militaires. Et leur métier n'est pas parenté aux paramilitaires. Mais ce qu'ils peuvent demander, c'est qu'on renforce par exemple les dispositifs sécuritaires aux alentours des hôpitaux pour les protéger, qu'on se mette ensemble avec les services de sécurité et tous ceux qui ont la charge de sécuriser la population et qu'on trouve des mécanismes pour protéger et les malades et les structures sanitaires et aussi les médecins. C'est un geste qui traduit l'attention particulière qu'accorde le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la situation sécuritaire et humanitaire de l'Ituri. Plus de 150 ménages de pygmées ont été assistés ce lundi en vivres et non-vivres constitués de riz, haricots, couvertures, casseroles, sel, nattes et autres produits de première nécessité par le gouvernement de la République à travers les ministères des Affaires sociales et Action humanitaire. Ces déplacés ayant fui les atrocités au site du Rumu, vivant dans 5 sites à Mungamba, Bamandé, Prokopiba, Shalom et Bavonkoutou, expriment leur satisfaction. Merci pour cette assistance. Nous venons de recevoir des habits, bassins, des sacs de maïs, des casseroles, que celle-ci ne soit pas pour la dernière fois. Nous disons merci à Dieu pour cette assistance du gouvernement. Que cette assistance soit régulière pour soulager notre souffrance. À cette occasion, Dieudonné Malangaï, secrétaire de la société civile de la chefferie de Wallace-Vonkoutou, remercie l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboyanka Chomadjoni pour les plaidoyers menés. Après notre plaidoyer, surtout auprès de l'autorité provinciale et l'autorité territoriale, nous félicitons cet acte du gouvernement central parce que cette assistance va aider nos peuples autochtones pygmées. Notons qu'il s'agit là d'une énième assistance du gouvernement congolais à travers le déplacé en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège qui crée de plus en plus les conditions favorables pour le retour définitif de la paix. En ville de Bounia, chef Lé de l'Ituri, des enfants victimes des conflits armés, encadrés par l'Association de femmes au cœur du développement, AFCD, développent des stratégies positives pour oublier leur passé tumultueux. Grâce à cette ONG, ils bénéficient désormais d'une scolarité et sont initiés au sport, deux activités à la base de leurs épanouissements, témoignent quelques-uns d'entre eux. Je remercie beaucoup l'association AFCD parce que s'il n'y avait pas cette association, si j'en ai rien vraiment, il nous a mis même aux études, il nous a fait nourrir. Je remercie beaucoup pour l'association AFCD. Des actions qui bénéficient jusque-là d'un soutien financier de l'administration militaire. Toutefois, elle nécessite également l'apport des autres partenaires pour mener à bien l'encadrement de ses enfants. Christelle Alema, coordonnatrice de l'AFCD, s'est dit déterminée à apporter son expertise au profit de ses enfants. On ne sait pas contrecarrer la mission de qui que ce soit. Nous, on est venus pour aider les enfants.
vous voyez. Et puis on dit qu'au début qu'on a commencé, le premier mois, on verra s'ils vont tenir 2 mois. Et là, nous sommes au 7e mois. Vraiment, nous focalisons sur les objectifs que nous sommes fixés. Alors, on invite tout le monde, ce n'est pas de la guerre, à nous accompagner pour pouvoir atteindre cet objectif-là, pour le développement de la province de Litourie et de toute la République. Disons-le, dans une province comme Litourie, assister et réparer les victimes des conflits armés ne suffisent pas. Il faut ajouter l'éducation à la paix, une troisième dimension que prend le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, à tous ses partenaires pour un retour rapide et durable de la paix. La marine de la République démocratique du Congo a participé pour la 6e fois à cet exercice multinational dénommé Grand Africa Nemo 2022 en sigle GANO 22 du 11 octobre au 16 octobre 2022 dans le cadre de la sécurisation des espaces des pays des Golfes de Guinée. Cette fois-ci, notre participation n'était pas au rendez-vous suite au manque des unités navigantes de forte capacité. Le P-141 Moniro étant au carénage ou en réparation à Boma, le 14e groupement naval a participé à la manœuvre multinationale avec ses 3 vedettes. Par rapport aux unités de grand tonnage alignées, d'un côté par la marine américaine, 239 mètres de longueur, 50 mètres de largeur. La marine angolaise, 120 mètres de longueur et 40 mètres de largeur. Le fusilier marin ainsi que d'autres officiers qui participent à l'exercice méritent une attention particulière. Au cours de cet exercice, plusieurs scénarios ont été retenus, à savoir la protection de la plateforme, les trafics des êtres humains, le trafic de drogue, la pollution maritime ainsi que pêche illicite, pour ne citer que cela. Après interception du navire américain, les éléments de la marine de la République démocratique du Congo, ensemble avec les éléments de la marine angolaise, sont entrés à bord du navire américain pour fouiller le suspect. À cette occasion, quelques exposés ont été présentés en cet ordre. Le centre des opérations maritimes, c'est une structure pleinement tactique et technique qui sert à gérer les opérations maritimes. Le 17 octobre 2022, aujourd'hui, la journée est retenue à l'évaluation de l'exercice suivi du debriefing. Ça se passe à Abidjan. L'exercice est organisé et supervisé par la France. Les États-Unis ont participé avec un navire. L'exercice est multinational. On participe à cet exercice Grand Africa Nemo 2022. Nous avons les États-Unis, la RDC, l'Angola et la République congolaise. L'occasion faisant la ronde, j'en profite de présenter mes remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, ont prêté main forte pour la concrétisation ou la matérialisation du dit exercice qui appuie d'une part la formation théorique et de l'autre la sécurisation de notre espace maritime. Nous profitons également de présenter nos sincères félicitations à tous ceux qui ont participé au dit exercice civil et militaire. Je déclare fermé l'exercice Grand Africa Nemo 2022. Cadre de la campagne dénommée FRDC na front Bisso na Mabota na Bango, initiée par l'association Femmes Fortes des 26 provinces de la RDC, le directeur général de la FBN Bank, M. Olaji de Aïroni, a remis ce vendredi 21 octobre 2022 une enveloppe contenant une somme d'argent à la présidente de cette association visant à récolter les vivres et non-vivres afin d'aider les familles des militaires engagés au front. C'était à l'esplanade du Palais du Peuple en présence du bourgmestre de la commune de Lingwala, M. Nkama, du représentant du commandant du service d'éducation civile, patriotique et action sociale et autres invités.
Après avoir remis l'enveloppe à Mme Bishop José Rachidi, M. Olajide a fait savoir que ses gestes visent à soutenir le dépendant des militaires. Donc nous avons trouvé simplement que c'était totalement logique de pouvoir soutenir et aider ces familles parce que c'est la meilleure des choses à faire, simplement parce qu'eux se battent pour nous à l'est du pays. Donc c'est vraiment une chose très très simple à comprendre en fait. C'est juste de la bienveillance simplement que nous sommes en train d'appliquer actuellement. Au nom du commandant Sekas, le lieutenant-colonel Kitoumaïne Jonathan a remercié le directeur général de FBN Bank pour ses gestes sociaux. Pour sa part, la présidente de cette structure a fait savoir que cette campagne vise à rehausser le moral des militaires engagés au front.